sais que t'étais donc? J'étais dans le petit chemin du bois. T'étais tout seul? Ben non, on était toute la gang. Mais comme on revenait, mon chandail est tombé de mon porte-bagages. Alors, je suis retourné le chercher. Et c'est là que... Quoi? C'est là que... Ben... Je sais pas. Il y a un auto qui est arrivé. Puis le gars qui conduisait, quand il m'a vu, il m'a crié « Téléphone à la police » pour dire qu'Annick... Annick Martin est dans le bout. Quoi? Ah oui. Puis il m'a crié encore « Fais vite, oublie pas. » C'est que ça veut dire, ça. Qu'est-ce que... Répète-moi ça encore, là. Hey, il m'a dit « Téléphone à la police pour dire qu'Annick Martin est dans le bout. Fais vite, oublie pas. » Hey, c'est une drôle d'affaire, ça. À part ça, on n'a pas le téléphone ici. Penses-tu que c'est comme dans les films policiers? Oh, je sais pas, mais je trouve ça inquiétant. Tiens, on va aller chez Mme Langevin, là, le téléphone. On va appeler la police provinciale. Ça serait une idée de prendre un petit quelque chose, là, pour se remonter. Oh. Je sais pas, moi, il reste aussi du cognac. Non, je veux rien, moi, Antoine, je veux rien. Non, personne n'a goût de rien. Non, viens t'asseoir avec nous autres. Ah, je peux pas te perdre. C'est plus fort que mon vouloir. Moi, je pense à Michel. Justement, Michel, comprenez-vous ça, vous autres, lui aussi, il a disparu. Je pense que Michel, moi, il est avec sa cousine. Mais voyons donc. Pourquoi vous pensez ça, pépère? Voyons, pépère, les petites l'auraient vu si c'était ça. Non, dis pas qu'ils l'ont pris en même temps qu'elle. Non. Mais tu sais qu'il aurait peut-être deviné quelque chose, ou bien vu quelque chose, puis ça partit après eux. Savez-vous que ça a du bon sens, ce que vous dites là, son père? Et maudit, si je savais ça, moi, que je serais donc soulagé. Au moins, qu'elle soit pas toute seule. Oh, c'est vrai. Oh. C'est une idée, papa. C'est vrai que c'est une idée. Parce que... Où est-ce qu'il serait, Michel, s'il avait pas suivi sa cousine? Ben oui. En tout cas, le jour où Laurent s'est porté garant pour le Robin, il a pas fait une trop bonne affaire. Oh. Ben voyons, Martha, reviens pas sur ce garçon-là. Il est pour rien là-dedans. C'est sa blonde qu'on devait enlever. On nous l'a dit. Il était collé avec un policier depuis des semaines pour essayer de faire prendre son ancien chef de bande. Puis l'enquêteur nous a dit que ça fait 2 ans qu'il essaie d'attraper ce gars-là. Oh. Ah, les autres vont prendre, mais lui, il réussit toujours à s'en sortir. Oh. Il semble que dans le temps, tu pensais pas des affaires de même au village. Tu étais toujours bien calme puis bien tranquille. Hein? C'était toujours bien tranquille. Non. Il n'y a rien qui change. Non, les malheurs, ça arrive à chacun à tour de rôle. Des fois, ça arrive en série pour les mêmes, puis après ça, c'est le calme plus. Mais regarde dans chaque famille de Sainte-Marie-des-Anges, tu vas trouver des malheurs. Oui, ça, c'est vrai qu'il faut pas chercher trop loin. Hein. Vous vous souvenez? Le grand Dauphiné, là, il y a quelques années, quand il avait frappé un camion citerne, tout a flambé, il a été brûlé à mort, il avait 6 enfants. Puis il y a juste 2 ans, là, le petit Lupien, quand un arbre est tombé sur son tracteur, puis il a cassé la colonne vertébrale. Non, c'est vrai qu'il faut pas chercher trop pour trouver des affaires tristes chez les autres. Et j'aurais donc dû partir avec Jean-François Jonas et Martin, moi. Ben voyons, qu'est-ce que ça te donnera? Barouetter là, à une nuit tombante, puis de l'autre, là, pas bien d'avance. Même que ça fait nuire aux policiers. Non, c'est bien mieux de rester ici avec nous autres à attendre les nouvelles. Attendre des nouvelles, c'est dur. C'est vrai qu'il arrive toujours des choses épouvantables de nos jours. Et Antoine, imagine-toi s'il fallait que ceux qui ont kidnappé notre petite fille, ils nous demandent une rançon. Mais voyons. Où est-ce qu'on trouverait l'argent? De l'argent. On vit bien, mais on n'a pas d'argent, papa. L'argent, on en trouve toujours. Ah, moi, penses-tu que je donnerai pas tout ce que j'ai de rette là, hein? Pour, ma petite fleur, auprès de moi.
10-04. Faites passer un message aux Dantins et dites-leur qu'on a une piste. 10-10-10-11. Priorité. Ici, Sergent Picard, opération 100. Vous avez entendu l'information qui vient d'être reçue au poste. Que les chargés du poste numéro 10 se rendent immédiatement à l'intersection de la route qui mène vers Saint-Alphonse et du chemin du lac Morgan. Je vais être là dans 5 minutes. Que deux autres, pendant ce temps-là, aient voir s'il n'y a pas moyen de s'échapper par l'autre bout du chemin ou par un sentier de terre du côté de Chersey. 346, 204. Ta gueule, mon. Qu'est-ce qu'on fait? Réfléchis, le femme toi. Peut-être réfléchir à deux. Deux têtes valent mieux qu'une. Je fais le point, là, OK? Vu que c'est toi et Bercy qui nous avez mis dans ces beaux draps-là, je vois pas tellement quel beau conseil je pourrais bien retrouver de vous deux. L'enlever une fille de famille du village, c'est bien sûr que ça va pas passer inaperçu. Qu'elle a qui est une mardeuse de police sur ses routes. C'est plus que sûr. Je t'ai pas à nous crier par la tête parce qu'on s'est trompé de fille. T'as supposé tellement bien renseigné sur tout ce qui se passait ce jour-là dans cette maudite place-là. Le beau Patrick. Lui, il va me payer ça. Et lui, le premier que Dieu mis dans le bain. Pas jamais bon stool, ce niaiseux-là. Patrick, c'est le petit brun qui était avec toi l'autre jour? Ouais. Ça n'a pas l'air vargeux. Et bien sûr que c'est pas une bolle, mais il a quand même sorti deux motoneiges dans son hiver, c'est pas si pire. Pour ça, c'est celle que j'avais, cette Marie des Anges, à Port-Robin, j'ai pas bien le choix. Si tu vas voir mon avis, là, cette affaire-là, ça aura jamais dû être montée. Enlever du monde, ça a-tu de l'allure? Voler, OK, c'est juste le fun, mais enlever une fille, tu sais ce qu'on risque? C'était rien que de moi, on laisserait le gars pas fille bien attaché ici dedans, mon sacré notre camp. Oh, là, ça, beau, fin, Bercy, puis moi, on est allé là-bas à visage découvert. Vous êtes pas des gars du bout, personne vous connaît. Puis d'un coup, quelqu'un a donné notre signalement. Il y avait des enfants qui jouaient, là. Ça veut dire qu'on va être obligé de prendre notre trou à Saint-Donat puis de rester là planqué pendant des mois sans grouiller. J'ai tout ça aussi bien que toi. Faites une gaffe en préparant ce qu'il n'a pas là. T'as un beau maudit contre bien, là. Elle m'a brouillé les idées. Je l'ai fait marcher au pas, puis j'ai mal raisonné. À cette heure, il faut trouver quelque chose. Sur la route, là, vous avez rien vu de spécial? Évidemment, vous avez même pas vu que le gars d'à côté vous suivait. C'est sûr, vous avez pas vu grand-chose en général. Je comprends donc qu'on a peut-être dépassé ou croisé quelques autos, mais c'était des chars qui avaient l'air de rien. Le gars d'à côté a bien pu nous voir et nous dépasser. Qu'est-ce que tu voulais que ça nous dise? Je pensais toujours pas que parce qu'on s'en venait avec la fille, que les routes seraient désertes d'un bout à l'autre. Ce que je te demande, c'est s'il y avait bien du trafic, là. Plusieurs chars, là, qui suivaient. Pas en tout. Pas une fois. Tu sais bien que si le gars d'à côté avait eu du monde pour le suivre, la maison serait déjà pleine. Mais... dis-moi là. Qu'est-ce qu'on fait? On sac-tu notre camp? Faut pas s'en aller de site. Faut pas grouiller. La police nous croit rendu pas mal loin. Nous voyons en bébite. Là, ensuite, on s'arrangera pour partir tous les trois. Par le bois. À pied. Mais comment tu veux qu'on s'en aille à Saint-Donat à pied? Quand on sera assez loin, on va rentrer une route. Là, il y aura toujours moyen de se trouver de quoi rouler et craindre pas. Pour ça, on n'a rien à manger.
N'oublie pas que depuis un matin, on a juste quelques bières dans l'estomac. Excuse-moi, garçon, j'ai oublié de faire ma commande d'épicerie. Elle est aussi bien t'habituer à sentir ta faim. Tu veux pas qu'on aille au dépanneur du lac vert? Pantoute, faut pas remuer. Maudit que je m'en veux d'avoir organisé cette histoire-là. Elle a fait n'importe quoi pour me venger de Robin qui a sacré mon affaire à terre. C'est un beau maudit qu'on est plus clair. Il a fait des grosses affaires, un temps. Il y a quasiment 2 ans là, qu'on s'entraîne ensemble. Au printemps dernier, il était à Helper, à Saint-Athanas, pour un plombier. On a raflé de la bébelle. Puis nous autres, on est bon à rien, on t'en amène pas du bon stock. Vous autres, c'est pas 2 idées de suite. Faut vous mâcher l'ouvrage. Vous autres, ça vous prend du ordinaire. C'est aisé. C'est pas compliqué. Des camps d'éthique, des stéréos ou des radios dans le star. Tu diras pas qu'on n'a pas fait un bel hiver. Il n'y avait pas de neige, tout était assez facile. Tu dis qu'un hiver de même, on n'en verra pas souvent certains. Ouais, ben le temps passe pas vite. Pour installer les bougies là, qu'on a apportées. Tente-tu d'aller agacer la fille? Mouh, imbécile de père! Tu dis toi-même qu'on risque à gros! Que le gars m'ait sauté sur le dos, là, ça m'a désorganisé. Ça m'a enlevé ma confiance. J'aurais aimé ça varier comme toi. D'un autre temps. Comme ça, on les laisse à côté pour la nuit. On les laisse où ils sont, là, sur leur chaise. Pendant ce temps-là, là, on s'en remplacera pour les surveiller. Et ton gars s'en allait sur ce chemin-là? C'est en plein ça. Il s'en allait vers le petit lac à la boue. C'est un petit lac, là, à peu près 1 mille d'ici. Il y a pas grand monde. L'eau de ce lac-là est pleine de sangsues, on peut même pas se baigner. Et en continuant, où est-ce que ça mène? Oh, il y a un petit chemin de terre, on peut rejoindre Chersey. Mais je vous dis que le chemin est pas beau. Est-ce qu'il y a un endroit par là où du monde pourrait passer la nuit? Oui, il y a 1 ou 2 camps abandonnés. Les enfants vont jouer là souvent, mais j'ai toujours peur qu'ils mettent le feu, hein? OK, merci. Qu'est-ce que tu penses qui va nous arriver, Michel? Je crois pas qu'ils peuvent nous tuer, là, pis sauver. Je penserais pas. Ils ont pas l'air de bandits tellement sûrs d'eux autres. Tu connais Robin? C'est tout du pareil à lui. Ils sont pas habitués à ce qu'ils viennent de faire, je pourrais en jurer. C'est le vol qui les intéresse. Je vois pas du tout Robin pris là-dedans plus qu'eux autres. Mais ils vont pas demander une rançon? Mais non, t'as vu... Ils se sont trompés, c'est Lisiane qui voulait. C'était pour se venger de Robin, faire une peur ou je sais pas quoi. Ils voulaient peut-être qu'ils reviennent avec eux autres. Ouais. T'as raison. J'ai tellement peur. Si t'étais pas là, je mourrais. Panique pas, panique. Tu sais. On peut se dire qu'il peut rien nous arriver de pire que de mourir. Avant tout ça, là, j'ai bien cru qu'elle allait m'arriver bien pire que ça. Oh, les cœurs. Oh, j'ai donc bien fait suivre mon instinct quand je t'ai vu dans le char au village. Jamais j'oublierai quand t'es arrivé, Michel. Jamais. Je suis donc content d'être ici avec toi, Annick. Pauvre Michel. Comment c'est que tu peux dire une affaire de même? Tu serais bien venu chez vous. Crée misère que je voudrais donc pas mourir chez nous à l'heure qu'il est là. C'est toi en sachant ce qui t'arrive à toi. Quoi? Ah. Ah. Commence à voir le ventre pas mal creux pour toi. Hey, je pourrais jamais avaler une seule bouchée. Ah,
J'espère qu'ils ont compris qu'on ne peut pas reprendre les routes à soir. C'est pour ça que j'espère que la police a été prévenue par un petit gars que j'ai rencontré avant d'arriver ici. T'as dit à quelqu'un de prévenir la... On va partir dans la nuit, là. Pas besoin d'être nous autres. Si jamais il arrivait de quoi, servir à rodier l'otage. Franchement, ça va être la pire nuit que j'ai jamais passée dans ma vie, moi. Ferme-toi, là. Les niaiseries de même, ça vaut pas la peine d'être dit. En tout cas, fais-le, c'est ce qu'on va faire, là. On va garder les deux oiseaux au site, là. Pendant ce temps-là, t'as plus pète, ça allait prendre le bois du bord de chez Churchy. Sur ce bord-là, y a rien qui bloque, va revenir me dire pour partir avec le truc. C'est ici? Pas en tout. Si jamais on tombait dans un piège, servir à d'otage. J'aime donc pas ça, j'aime donc pas ça. Pas ça plus que toi. C'était un bien obligé de se démarrer. J'avais pensé que le temps pouvait être si long. Même prier, c'est difficile à faire dans une situation comme ça. Si tu te la fermes, par exemple, on pourrait peut-être arriver à dormir un peu. Ça serait reposant, hein? C'est vrai, Nick. Essaye de te détendre un peu, moi. Je vais veiller sur toi. Vous êtes bien aimable de m'avoir donné des nouvelles. Je vous remercie bien. Puis... C'est bien ça, ça vous dit. Ah, si je m'écoutais, je partirais là-bas, moi. Non, 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 ça fut tellement bien long. On a mieux de rester tout ensemble pour attendre les autres nouvelles. C'est déjà assez bon de savoir qu'on sait quelque chose. Ouais. Oh, quand je pense qu'ils ont identifié le char de Michel. Oh, pauvre Michel. Oh, celui-là, moi, je... Je sais pas comment je vais faire pour le remercier. Quand on pense qu'il était parti après sa cousine. C'est un gars difficile à comprendre, le Michel Jacquemin, mais il manque certainement pas de courage. Mm. Mais à part ça, comment ça se fait qu'il était rendu avec Annie? Comment c'est arrivé? Ah, moi, je sais tout de suite qu'il était parti après sa cousine. Comme dit Elisabeth, là, c'est un gars difficile à comprendre. Il parle pas gros, mais il a bien de la valeur. Hein? Ah, il est jongleux, il est raisonneux. Il est... Moi, des fois, j'arrive pas à me faire l'idée qu'il a pas été fabriqué par un Jacquemin. Non, c'est vrai? Ah, l'adoption, c'est quelque chose. Hein? Ah, tout ça, c'est gratuit. Hein? Tout l'amour, l'affection pour Lina et Michel, là. Hein?
c'est gratuit. Parce qu'un enfant qu'on a, on est forcé de l'aimer, mais les autres, hein? Mais c'est vous que c'est pas mal vrai, ce que vous dites là, papa. Mais si dans le passé, j'ai jamais fait de différence entre Michel puis mes autres neveux, je vous dis qu'à l'avenir, je vais en faire la différence. Parce que ce qu'il y a fait là, je l'oublierai jamais, moi. Moi non plus. Faut bien faire, c'est noir, là, faut y aller, les gars. À peu près combien tu veux qu'on marche? 3 000, 4 000? Toujours même pas que tu arranges jusqu'à Saint-Donat à pied, c'était 18 000 d'ici. Marche assez longtemps pour voir si le chemin de terre est libre. C'est correct, vous venez me le dire pour prendre le truck. Churchill, c'est pas mal épité, on laissera le truck quelque part pour venir à pied. Qu'eux autres, là, ça me donne une petite garantie. Ben, de la prudence, les gars. Oui, OK. Allez, Nick.